La négociation de la PAC 2014 comporte un volet important qui concerne la convergence des aides PAC. Alors, on parle souvent de convergence entre les aides des différents pays. C'est un point de négociation qui va être très important et qui met en opposition les pays de l'Est de l'Europe par rapport aux anciens États membres. Mais il y a une autre convergence qui est la convergence interne. Et celle-là, on en entend beaucoup moins parler, pourtant elle va être très difficile dans le cas notamment de la France. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on a des pays comme l'Irlande et comme la France qui ont des aides à l'hectare très diversifiées, qui vont, par exemple, dans le cas de l'Irlande, de 100 à 1000 euros l'hectare. En France, on n'est peut-être pas tout à fait à ça, mais pas loin. Une convergence, ça va être très douloureux. Par contre, on a d'autres pays comme l'Allemagne qui ont déjà fait cette convergence depuis 2007, ont progressivement convergé vers des taux d'aide régionalisés par Länder. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la France? On a une situation où les éleveurs, enfin les différentes filières et les différentes zones géographiques de la France agricole risquent de rivaliser pour avoir un mécanisme d'homogénéisation des aides, puisque c'est ça qui est demandé par le projet de la Commission européenne. Donc un grand rendez-vous qui va se déclencher dès que l'accord sur la PAC 2014 sera décidé. Et donc des pays comme l'Irlande et la France qui demandent des délais pour pouvoir temporiser cette période qui risque d'être un peu difficile en interne.